Salut les filles, bienvenue à notre appel pour le défi qu'on débute ensemble ce lundi. Le pourquoi je voulais prendre le temps de vous jaser, c'est de vraiment expliquer comment bien débuter, que vous ayez vraiment tous les outils pour pouvoir avoir la meilleure expérience possible, puis un peu clarifier, là, je sais que ça peut être mélangeant quand on arrive puis qu'on débute dans ce processus-là. Tu sais, il y a le groupe sur Facebook, il y a le groupe sur My Challenge Tracker, il y a Beachbody On Demand, puis en plus qu'on a faut qu'on change nos habitudes au niveau de l'alimentation, puis intégrer un programme d'entraînement. Ça fait beaucoup de choses. Puis je voulais vous simplifier ça, puis vous laisser savoir que vous êtes soutenu, entouré, puis que vous avez une belle gang avec vous là, qui vit cette aventure-là avec vous pour pouvoir maximiser vos résultats. Je vais partager mon écran, puis je vais vous faire un petit peu une petite tournée des différentes plateformes qu'on utilise. Puis si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, vous les posez au fur et à mesure, vous pouvez soit parler en parlant ou sinon vous pouvez utiliser le chat. Il y a une espèce de petite bulle là, c'est peut-être écrit converser ou chat, peu importe qu'est-ce que si vous êtes en anglais ou en français. Puis vous pouvez parler avec le texte, là, poser des questions. Pendant le travail, je finis à 3. Ah, fait que c'est bon. Je veux ça, puis dimanche, j'ai congé de poche. Je vais vous muter, puis si vous voulez parler, vous pourrez vous démuter. OK. Donc, premièrement, je vais partager mon écran, c'est vrai, avant. Bon, là, il faut que je trouve mon bureau à cette heure. OK. On va commencer avec le groupe VIP Fit for Me. Dans le fond, le groupe VIP Fit for Me, qu'est-ce que c'est? C'est là où est-ce que toutes mes clientes sont. Ça peut être des filles qui sont avec vous présentement dans le défi ou ça peut être des filles qui ont déjà fait un défi dans le passé. Ça fait un endroit où est-ce qu'on est une communauté finalement, puis vous avez plein, plein, plein de ressources qui sont là-dessus. Il y a plusieurs filles qui me disaient qu'il n'y avait pas accès au plan d'alimentation en français. Je comprends pas pourquoi, parce que moi, je l'ai, puis la plupart du monde l'ont, mais là, tout récemment, il y a quelques filles qui me disaient qu'il y avait un problème à trouver le matériel en français. Fait que, tu sais, comme si on va dans la section fichier ici, là, souvent, je vais télécharger des choses là-dedans. Fait que vous avez plein de ressources qui sont là. Ce matin, cet après-midi, j'ai téléchargé le plan Indie Obsession en français. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez aller le chercher là. Vous avez des menus de la semaine, vous avez des guides de recettes, des idées de recettes pour le Shakeology. Vraiment, là, vous avez plein, plein de contenu ici dans la section fichier. Si vous allez dans la section photos, vous allez avoir des albums photos quand on va dans les albums. Et ces albums photos-là, ben, c'est encore là des outils, des ressources. Donc, les Beach Bars, ben, c'est des bars qui s'en viennent, là, des bars protéinés qui vont sortir le 7 avril, qui sont approuvés par le plan d'alimentation d'ailleurs. Ensuite, des fois, surtout quand on suit l'idée d'obsession, il faut qu'on ait des couleurs à respecter pour nos menus, puis on manque d'idées, bien là, j'ai fait des albums avec les différentes couleurs. Fait que si on clique, bien, on a d'autres photos qui sont là. Puis sous chaque photo avec les couleurs respectives, j'ai mis des idées. Où est-ce que. Puis, tu sais, si vous voulez aller dans Ajouter, là, ça fait vraiment un bel endroit où est-ce qu'on peut aller se référer. Tu sais, comme par exemple, s'il faudrait que je mange un rouge, un mauve, une cuillère, puis je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être, ben, je peux venir ici, puis il y a probablement, ben là, ça tombe que celui-là, il n'y en a pas, là, mais ça serait super facile, là. Un rouge, ça peut être une protéine, donc un yogourt grec, mettons, avec des fruits, puis on pourrait mettre là, une cuillère de beurre d'amande, de beurre d'arachide dedans. Je vais essayer d'en trouver un qui en a, là, juste pour vous montrer une idée, un exemple. Comme celui-là, un vert, un jaune, un rouge, une cuillère. Bien là, on arrive et on voit dans les commentaires, il y a des idées. Oups, j'ai sauté trop vite. Il y a des idées recettes qui sont là. Donc, comme ici, là, une salade de couscous avec des légumes. Bon, je ne sais pas pourquoi ça saute à chaque fois que je fais ça. Mais en tout cas, vous comprenez le principe. Sinon, dans la section album photo,
C'est long à revenir. Il y a aussi des menus de la semaine qui sont là. Je retourne là. C'est sûr que le plan, là, il est super flexible. On va le voir. On va rentrer plus en détail un peu dedans tout à l'heure. Mais c'est super flexible. Mais si vous avez besoin pour les premières semaines de structure, ben, vous pouvez aller là, dans plan alimentaire, je crois. Et vous allez avoir des exemples de menus qui sont là. Non, c'est pas dans le plan alimentaire. Dans le plan alimentaire, vous avez... Si vous n'avez pas reçu vos petits contenants, par exemple, puis vous ne savez pas qu'est-ce que ça représente, les équivalents, vous avez une photo là ici. Il y a des changements qui ont été faits au niveau de qu'est-ce qu'on va mettre dans notre shakeologie, là, le lait d'amande, le lait de tout ça. Ben, les changements sont ici. Fait que vous allez pouvoir vous y référer. C'est pas dans le plan alimentaire, c'est dans... Ben voyons, il y a peut-être une autre page. Ah, c'est ça. OK. Menu et recettes. Ben là, là-dedans, vous allez avoir des exemples de menus puis des exemples de recettes. Là. Je pense qu'il y a 4-5 menus. Vous avez plein de recettes là, qui sont en français. Puis des menus aussi. Fait que vous allez pouvoir aller zioter ça. Ben c'est ça. Fait que le groupe VIP, dans le fond, vous pouvez poser vos questions dans le groupe, vous pouvez interagir, mais tu sais, c'est pas nécessairement là que se passe notre défi. Notre défi en soi se passe sur l'application My Challenge Tracker. Donc, My Challenge Tracker, c'est là où est-ce que vous allez pouvoir à chaque jour. Là, c'est la version ordinateur de coach, là, mais je ne peux pas aller cocher que j'ai fait mon entraînement avec cette application-là, mais si je serais sur mon téléphone cellulaire puis j'irais, ben premièrement, vous pouvez le télécharger là, si ce n'est pas fait. Vous rendez sur l'Apple Store ou le Google Store de votre téléphone et vous allez pouvoir aller chercher l'application. Là, vous allez rentrer avec votre nom d'utilisateur et mot de passe de Team Beachbody. Vous allez aller sélectionner le défi. Et vous allez rentrer dans la, je sais pas comment on appelle ça là, mais dans le défi, on va dire. Fait que là, on peut pas encore les mettre nos entraînements parce que le défi débute seulement lundi. Puis pour pas que ça fasse comme trop mélangeant pour la première semaine, puis je voulais vraiment que vous voyiez les capsules de préparation. J'ai pas mis la possibilité que vous cochiez vos entraînements encore. Ça va débuter seulement lundi. Donc quand vous allez arriver, là, vous allez pouvoir cliquer sur le petit plus. Là, présentement, il n'est pas accessible. Vous allez cliquer sur le petit plus, puis vous allez pouvoir venir chaque jour cocher que vous avez fait votre entraînement. Vous pouvez même mettre une photo, mettre un texte, dire comment ça s'est passé. Si vous avez trouvé quelque chose de difficile, ce que vous avez envie de partager, vous pouvez l'écrire. Puis, vous pouvez aussi cocher que vous avez pris votre shakeologie. Fait que là, à la fin de la semaine, c'est le fun parce qu'on reçoit un espèce de pas un bulletin, là, mais il y a un pop-up qui arrive puis qui nous dit félicitations, tu as fait 7 entraînements cette semaine, tu as pris 7 shakeologies. Fait que, on voit vraiment la progression. Puis chaque matin, ben à chaque fois qu'il y a une personne qui va avoir coché ces choses, ben sa photo s'en va dans le haut de l'application. Fait que, c'est le fun, on voit qu'il y a de plus en plus de monde là, dans le groupe qui est allé faire son check-in finalement. Ensuite, ben, vous avez la possibilité de faire des publications sans nécessairement que ce soit d'enregistrer vos activités. Pour ça, ben, vous allez vous rendre sur je sais pas si vous voyez là, il y a comme des petits bonhommes. Ben, vous pouvez mettre une vidéo ou mettre une photo. Puis, ben, vous écrivez votre texte. Fait que si ça vous tente de faire des petites vidéos, vous pouvez. Si vous voulez mettre des photos, vous pouvez aussi. Le groupe, c'est vraiment notre lieu d'échange. Puis profitez-en. Si vous voulez partager des recettes, vous découvrez des nouveaux produits. C'est toujours le fun parce que si vous en partagez, les autres vont en partager aussi. Puis ça va vous revenir d'une quelconque façon. Le plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Donc, voyez-le dans cette perspective-là. Puis, ben c'est le fun aussi là, d'aller encourager les autres filles puis d'interagir là, pour pouvoir justement que ça fasse une expérience qui soit là, plaisante pour tout le monde puis qui vous apporte la motivation que vous avez de besoin puis les outils que vous avez de besoin au fil du temps. Fait que soyez vraiment pas gênés de poser vos questions parce que
si vous vous la posez, il y a probablement quelqu'un d'autre qui se la pose. Fait que c'est vraiment le but de ce groupe-là, c'est que vous puissiez justement avoir tout ce qu'il faut pour avoir les meilleurs résultats. Puis quand vous avez des difficultés, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'entraînement ou parce que vous partez en vacances puis vous êtes déboussolé, vous savez pas comment vous allez faire pour y arriver, ben tu sais, vous nous partagez tout ça puis on va vous trouver des trucs, on va vous encourager. Fait que c'est le but de ce groupe-là. Ensuite, l'application Beachbody On Demand. La manière que ça fonctionne, ben quand vous rentrez sur beachbodyondemand.com, vous pouvez y aller soit sur votre téléphone cellulaire ou encore sur l'ordinateur comme je suis présentement. Vous rentrez avec votre nom de Team Beachbody, votre mot de passe, c'est la même chose que My Challenge Tracker. Quand vous rentrez sur l'application et vous avez tous les programmes de Beachbody qui sont là, vous allez pouvoir sélectionner celui que vous faites actuellement. Là, il y en a beaucoup qui sont ici qui font soit 21 Day Fix ou 80 Day Obsession. C'est pas mal les deux principaux. Ça se peut que vous en fassiez un autre, il n'y a pas de problème. Là. Je veux dire, le groupe, c'est un groupe de soutien, d'entraide, peu importe quel programme vous faites, on est tous là pour s'entraider, puis ça ne dérange pas qu'on ne fait pas le même programme. Donc, on va commencer avec celles qui font le 21 Day Fix. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir avoir accès à tout le matériel du programme. Donc, la première chose que vous allez vouloir faire, c'est d'aller chercher votre guide du programme et vous allez le trouver dans « Programme Material » ici. Puis, vous l'avez aussi sur votre téléphone cellulaire, là, c'est comme un petit carré dans le côté. Alors là, vous voyez, c'est en anglais, mais si on descend complètement en bas, vous allez avoir les trucs en français. Donc, plan d'alimentation est là. Le calendrier est là aussi. Donc, tu sais, là, quand on est sur la plateforme puis qu'on regarde le workout list, on voit tous les entraînements, mais tu sais, on se demande, OK, tout ça, j'ai fait quand, là? Ben, c'est le calendrier. On le suit ici. Le calendrier nous dit, lundi, on fait ça. Puis on répète là, pendant toute la durée du 21 jours. Puis la dernière semaine, il nous suggère de faire des doubles pour maximiser nos résultats. C'est optionnel. Donc, ça sera à vous de voir. Fait que votre calendrier, moi, je dis toujours aux filles, là, imprimez-le, mettez-le en vue. Puis moi, j'aime ça cocher que j'ai fait mes entraînements. En plus de participer sur My Challenge Tracker, je suis peut-être un petit peu obsédée, là, mais moi, je fais des X sur mon calendrier. Ça me fait comme me permettre de voir où est-ce que je suis rendue, que j'avance, puis que la fin arrive, puis je suis fière de... Chaque jour, ben c'est comme un sentiment d'accomplissement quand je vais le cocher. Donc, le calendrier. Maintenant, on va passer au guide. Donc, le plan d'alimentation. Oui, c'est le plan d'alimentation, mais il y a aussi là, des conseils sur au niveau de l'importance de prendre ses mensurations, de prendre son poids puis ses photos avant de débuter le programme. Tu sais, oui, la balance, le poids, c'est un indicateur qui va nous permettre de constater si on a eu des changements, mais ça peut tellement être décourageant parfois parce que faut se rappeler que quand on entreprend un processus de mise en forme comme ça, qu'on va faire des entraînements qui vont être un petit peu musculaires, ben on va prendre du muscle. Puis le muscle, dans nos vêtements, va occuper moins de place pour le même poids. Fait que des fois, on peut pas avoir de différence sur la balance, mais si on regarde des photos, si on regarde des menstruations, il y a vraiment des changements. Moi, pour ma remise en forme postpartum, j'ai fait 21 Day Fix, puis après ça, j'ai fait le 21 Day Fix extrême. En 6 semaines, j'ai pris 5 livres. Mais si je peux vous la montrer, ma transfo, si on regarde ma transformation, on dirait que j'en ai perdu 20. Parce que, justement, j'ai pris de la masse musculaire, puis mon corps s'est transformé. On s'entend, je venais d'accoucher, j'avais une bédaine, puis après ça, j'en avais plus. Fait que, vraiment, là, faut l'erreur que j'ai faite souvent... Puis, tu sais, je le sais, c'est inconfortable de se regarder puis de prendre ses photos. C'est inconfortable de se mettre en top puis de prendre des photos comme ça ou en costume de bain ou en sous-vêtement. Je le sais, on n'aime pas ça se regarder comme ça, mais
pour l'avoir vécu là, pour d'autres programmes que j'ai fait dans le passé, quand on arrive à la fin puis qu'on a l'impression qu'on a eu des changements puis qu'on n'a pas de point de comparaison, ben c'est plate puis on regrette, hein, s'il vous plaît, de pas avoir pris le temps de prendre nos photos. Fait que le meilleur conseil que je peux vous donner pour garder votre motivation tout au long puis de voir votre évolution, c'est de prendre vos photos avant, prendre vos mensurations et de vous peser là, évidemment. Donc, comment ça fonctionne le plan d'alimentation? C'est vraiment super simple. Vous allez faire un calcul qui va vous permettre de calculer dans quelle catégorie vous allez vous situer pour le plan. Donc, plan A, B, C, D, etc. Fait, comment vous allez faire? C'est que vous allez prendre votre poids, vous allez le multiplier par 11, ça va vous donner la base calorique. La base calorique, c'est ce que votre corps a besoin pour une journée, si vous ne bougez pas nécessairement trop, puis si vous n'êtes pas en perte de poids, pour fonctionner. Donc, ça va vous donner votre base calorique et vous allez pouvoir ajouter à ça 400, qui est le nombre de calories normalement que vous allez brûler en faisant les entraînements de 21 Days Fix. Puis là, ça va vous donner votre plan de maintien. Si vous n'êtes pas en perte de poids, si vous voulez maintenir le poids que vous avez actuellement et peut-être là vous raffermir, développer un petit peu vos muscles ou que vous êtes présentement, vous allaitez ou que vous êtes enceinte, bien, c'est sûr qu'on n'est pas en perte de poids. Donc, vous allez arrêter ça là, le calcul. Vous n'allez pas faire la troisième étape. Si vous êtes en perte de poids, bien là, vous allez faire la soustraction de 750 pour pouvoir perdre du poids parce qu'on va avoir un déficit calorique. Alors, là, ça va vous donner un chiffre qui va jouer entre 1200 et 2300. Ça se peut que ce soit en dessous de 1200. Mais si c'est en dessous de 1200, on passe au plan A. Puis si c'est au-dessus de 2300, bien, on reste au plan D. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, une fois qu'on a trouvé la catégorie qu'on est, ça nous donne le nombre de contenants par jour qu'on a le droit de consommer. Donc, supposons qu'on est dans le plan A, j'ai le droit à 3 légumes, donc 3 portions qui équivaut à la grosseur là, du contenant vert, de légumes, 2 fruits, 4 protéines, 2 glucides, 1 bon gras, 1 graine et vinaigrette et 2 huiles et beurre de noix. Puis là, ben, j'ai le droit de les prendre au moment que je veux dans ma journée avec le 21 Days Fix, avec le Elite Obsession, c'est différent. On va le voir un petit peu plus tard. Donc, vous pouvez concevoir vos menus en fonction de ça. Puis là, vous avez une liste d'aliments. Vous avez des feuilles aussi là, pour garder un suivi si vous voulez, pour voir où vous êtes rendu dans votre journée. T'sais, comme par exemple, là, vous écrivez repas 1, j'ai pris un légume, j'ai pris une protéine, puis j'ai pris une cuillère. Fait que là, vous venez les cocher. Puis là, à la fin de la journée, vous savez où vous êtes rendu, ce qui vous reste à consommer. Sinon, il y a aussi une application mobile qui s'appelle 21 Days Fix Tracker que vous pouvez télécharger. Puis, vous pouvez cocher à chaque fois que vous mangez quelque chose là, dans l'application. Puis, à la fin de la journée, vous voyez qu'est-ce qui vous reste aussi là, si vous êtes correct. Donc, après ça, on a des exemples ici de combinaisons de repas pour vous donner des idées. Vous pouvez vous regarder ça. Là, c'est la liste que je cherche des aliments. Bon, OK, c'est là. Là, ici, on voit, par exemple, pour les contenants verts, tout ce qu'on a le droit de consommer en tant que légumes. Si c'est sur la liste, c'est approuvé. Si c'est pas sur la liste, c'est pas approuvé, tout simplement. Qu'est-ce qui est en haut de la liste? C'est des aliments qui ont qui sont à prioriser pour avoir plus de vitamines, avoir plus d'énergie. Donc, les aliments qui sont au top sont ceux qui vont nous apporter le plus de nutriments, puis sont à privilégier. Donc, on a les équivalences, comme des fois, si c'est cru ou cuit, combien ça représente, comme mettons des asperges, c'est dur à rentrer dans les contenants, ils nous disent que c'est environ 10 turions là, pour les asperges. Donc, tout est bien, bien, bien indiqué. Moi, je vous dirais, là, les premières semaines, tu sais, on est vraiment pas à l'aise. Moi, en tout cas, j'avais imprimé mon guide. Je le traînais partout dans ma sacoche parce que, tu sais, on s'entend, on n'est pas toujours à la maison à faire nos repas. Des fois, on a à manger au restaurant, on a à manger chez des amis. Ben, tu sais, après,
on peut arriver puis aller cocher, bon, OK, je suis allée au Saint-Hubert, j'ai pris une salade, j'ai mangé une salade de poulet, j'ai mangé la vinaigrette à part, bien, ça équivaut à des légumes, ça équivaut à une protéine pour mon poulet. La vinaigrette, j'en ai presque pas pris. Je vais la compter comme une vinaigrette que j'ai le droit là, dans ma journée. Fait que, tu sais, c'est flexible, là. Vous n'êtes pas obligé d'être restreint à manger chez vous pour le restant de vos jours. Là. Je veux dire, il y a possibilité de continuer de vivre en suivant le plan. Ensuite, si on regarde les mauves, ben, tu sais, je passerai pas toutes là, parce que sinon on va passer la soirée ensemble, là, mais c'est le même principe. Pour les fruits, vous avez tous les fruits qui sont permis là. Les rouges, c'est les protéines. Donc, vous avez toutes les protéines qui sont permises ici. Votre chécologie, c'est une question qui revient. Il compte pour un rouge dans votre journée. Donc, vous pouvez le soustraire des contenants puis le prendre au moment qui vous convient. À vous, il n'y a pas de meilleur moment de le prendre. Ça peut être en déjeuner, ça peut être en collation. Vous pouvez y ajouter des trucs dedans. Si vous ajoutez des trucs à votre shéco, par exemple, vous le mélangez avec une demi-banane puis du beurre d'arachide, ben, vous devez compter un rouge pour le shake, vous devez compter une cuillère pour le beurre d'arachide puis un mauve pour votre demi-banane. Donc, tu sais, il faut tout compter. Contenant jaune, c'est les glucides, donc c'est principalement patates, pâtes, riz, céréales, pain, ces choses-là. Et les bleus, c'est les bons gras, donc ça va être tout ce qui est fromage, avocat, les noix. Là, dans les noix, il y en a certaines qui vont être dans les bons gras, puis il y en a certaines qui vont être dans les huiles et vinaigrettes. Donc, principalement les arachides, les amandes, qu'est-ce qui est plus gros là, comme noix, ça va être dans les bons gras. Mais qu'est-ce qui est plus des graines, ça va être dans l'orange. Donc, graines de tournesol, graines de sésame, graines de citrouille, ça va être dans les graines et vinaigrettes. Puis notre coco, puis les vinaigrettes. Les vinaigrettes, vous avez des suggestions à la page 58 de vinaigrettes qui sont approuvées, là, puis qui comptent pour un orange. Sinon, ben, vous pouvez là, vous en faire aussi, mettons, avec de l'huile d'olive, puis vous mettez de la moutarde de Dijon, puis vous mettrez ce que vous voudrez, mais l'huile d'olive, vous allez le compter comme une cuillère, puis par exemple, si vous mettez des fines herbes, ben, ça compte pas. Si vous mettez des vinaigres, ça compte pas. Si vous mettez de la moutarde, ça compte pas. On a plein de choses qui sont free. Je vais vous les montrer là, un petit peu plus loin. Dans les cuillères à thé, ben, c'est tout ce qui est huile. Donc, on a huile d'olive extra vierge, huile de noix de coco. Moi, ça, c'est mon choix numéro un. L'huile d'avocat. L'huile d'avocat est pas là? Non. Huile de graines de lin, huile de noix, huile de graines de citrouille, les beurres, donc beurre de noix, beurre de cachou, beurre d'arachide, beurre de sésame, beurre de citrouille, tout ça. Là, je le sais, quand on est en processus de perte de poids, on a tendance à penser que je vais couper les gras parce que on a cette mentalité-là au Québec et partout que si on consomme des gras, ben on va prendre du poids. Mais c'est faux. Le plan, il est fait, il a été testé, puis tous les aliments qui sont dans ce que vous avez, ce qui est prévu à manger dans votre journée doit être mangé. Puis, il ne faut pas en enlever en pensant qu'on va avoir plus de résultats parce qu'il y a une raison pourquoi ces aliments sont là. Vous avez besoin de gras puis de bons gras pour pouvoir avoir de l'énergie pour faire vos entraînements. Puis, le bon gras, quand il est consommé avec les bons aliments, puis quand il est consommé dans les bonnes quantités, va vous permettre de maximiser vos résultats. Fait que faites pas cette erreur-là d'essayer de couper, puis vraiment suivez le processus, puis vous allez avoir là, les meilleurs résultats de cette façon-là. Là, vous devez commencer à trouver que c'est un petit peu contraignant. C'est là où est-ce que ça devient le fun parce qu'on a des petites gâteries permises. On a des substitutions possibles au niveau des jaunes. Donc, comment ça fonctionne? C'est que dans la semaine, trois fois par semaine, vous pouvez remplacer un contenant jaune par soit une boisson de la liste ici ou une gâterie de la liste ici. Alors, supposons que lundi, je ne prends pas un de mes jaunes, ben je pourrais
mettons, je prends pas de patates avec mon dîner, ben je peux à la place prendre du lait de vache, je peux prendre du lait d'amande, je peux prendre du lait de coco. Puis là, les quantités pour remplacer le jaune sont là. Donc, tu sais, pour remplacer un contenant jaune, ça serait, si je prends du lait d'amande, 8 onces de sucré ou 16 onces de non sucré. Je peux aussi prendre du vin pour remplacer mon contenant jaune. Donc, tu sais, si je veux prendre un verre de vin pour souper avec mon repas, ben je change ma patate pour un verre de vin de 4 onces. Fait que, tu sais, c'est fun, on a quand même une flexibilité. On peut aussi utiliser des gâteries comme des biscuits qui sont dans le plan. On peut prendre du chocolat salopache. Voyons, il est où le chocolat? Il est là. Non. Pépite, c'est ça. Pépite ou morceau de chocolat noir, ça compte pour un demi-orange. Des fruits séchés, des raisins secs enrobés de chocolat, des amandes enrobées de chocolat. Il y a plein de choses qu'on peut prendre comme gâterie. Puis, ben, c'est 3 fois dans la semaine que vous pouvez là, remplacer un jaune pour ça. Les aliments à volonté, ben, de l'eau. Puis de l'eau, vous le savez, ça contribue vraiment à ce que, un, vous évitiez d'avoir des maux de tête, à ce que votre système puisse bien, là, vous avez une bonne digestion, une bonne... j'essaie de le dire sans que ce soit... en tout cas, que vous allez à la selle régulièrement, puis d'éliminer là, pour la perte de poids. Donc, c'est super important de boire, on dit 2 litres d'eau, je crois. Ben, ils vous font faire un calcul pour calculer là, selon votre poids, la quantité d'eau que vous devriez boire là, par jour. Ensuite, vous pouvez leur y mettre dans votre eau des choses pour lui donner un petit peu de saveur, de la lime, par exemple, de la menthe, du concombre, qu'est-ce que vous voulez. Là? Il y a plein d'idées et de recettes de bord à eau. Le café est permis, le thé est permis. Si vous voulez mettre dans votre café du sirop d'érable, vous pouvez le faire 1 cuillère par jour sans nécessairement le compter. Ça serait votre façon de sucrer votre café. Si vous mettez du lait, bien, vous allez devoir le compter là, comme le lait qui est dans le plan. C'est sûr que la crème n'est pas permise et le vrai sucre non plus. La cannelle, muscade, épices, tout ce qui est fines herbes, c'est à volonté. Ensuite, ils disent éviter les ingrédients suivants, la crème, comme je disais tantôt, le sucre, colorant café, blablabla. Aliments à volonté, j'en ai glissé un mot, les herbes, gingembre, ail, moutarde, vinaigrette, de l'extrait, les extraits, comme par exemple, vous voulez mettre dans votre chécologie de l'extrait de vanille ou de l'extrait de caramel. C'est super bon, là, choco-caramel, vanille, caramel. Ça vous peut donner là, une belle petite twist dans vos chécos. Puis il y a des mélanges d'assaisonnement aussi qui sont à la page 44-45. Moi, je les fais en pot, puis je les laisse là, sur mon comptoir. Puis quand c'est le temps, je me fais des sautés, je les assaisonne avec ça pour faire, mettons, des tacos, pour faire des fajitas, pour faire des piments farcis. Ça va super vite là, parce que mes épices sont déjà toujours prêtes. Là, à portée de la main. Ensuite de ça, si vous utilisez le Energize Recover, dans le plan de 21 Day Fix, c'est free. Donc, il faut que ça soit, par exemple, consommé dans les bons délais. Energize doit être pris 15 à 30 minutes précédant votre entraînement. Ça va vous donner un boost d'énergie pour pouvoir faire votre workout. Et le Recover doit être pris dans la demi-heure suivant l'entraînement, une demi-heure 45 minutes, là, pour pouvoir bien récupérer. Si c'est pris dans ces délais-là, vous n'avez pas besoin de les compter dans vos contenants parce que ça permet d'avoir des meilleures performances, ça permet de bien récupérer, de réparer les tissus musculaires. Mais si vous prendriez votre Recover en pleine soirée, quand vous venez pas de vous entraîner, ben le Recover, là, il compterait comme une protéine, là. Il n'est pas free à ce moment-là. Vous avez une foire aux questions ici. Alors, puis après ça, vous avez des idées recettes là, qui sont dans le guide à la fin. Puis sur Beachbody On Demand, vous avez la
chaîne Fixate qui est à votre disposition pour aller chercher des idées recettes qui sont approuvées par ce plan d'alimentation-là. Oui, vous allez me dire c'est en anglais, mais moi, ce que je fais, c'est que je le copie-colle dans Google Traduction. Puis Google Traduction, il fait vraiment un bon travail de traduction. Là, c'est super. Ouais, on est où, fixé? Vous voyez, il y en a du stock. Hein? comment ça, je ne vois pas fixé? Ah, il est là. Donc, quand on va sur Fixate, c'est des émissions de cuisine en vidéo, mais on a aussi un document PDF qui va regrouper toutes les recettes qui ont déjà été publiées. À chaque vendredi, il y a des nouvelles recettes qui sont ajoutées sur la plateforme, sur la chaîne. Donc, on voit les nouveautés au top. Donc, comme par exemple, cette semaine, les nouveautés, c'était un couscous au poulet écarri, un sauté à l'orange, puis des épices thaï. Donc, si on veut avoir le guide complet de toutes les recettes, on va dans le programme Material et on va pouvoir aller chercher le Fixate Recipe ici. Et puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on a une table de matière regroupée par catégorie d'aliments. Puis, on peut cliquer et ça nous amène directement à la recette. Fait que c'est super bien fait. Puis, ben c'est ça. Moi, mon truc, c'est de copier-coller la recette dans Google Traduction. Fait que ça permet d'avoir la liste des ingrédients puis des instructions en français. Il y a vraiment, en tout cas, moi, à date, toutes les recettes qu'il y a là-dessus, j'ai jamais été déçue. Il y en a de tous les genres. Tu sais, on a les nouveautés qui sont là, les recettes de déjeuner, des recettes de plats principaux, des accompagnements, des salades, des soupes, on a des sauces et vinaigrettes, on a des desserts. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses. C'est comme par exemple, si je clique sur gluten-free chocolate chip cookies, ça va m'amener à la recette. Puis là, je sais que cette recette-là équivaut à un jaune et une demi-cuillère. Fait que, tu sais, ça me permet là, de pouvoir compter mes choses. Moi, comment je m'organise là, avec ce plan d'alimentation-là, c'est simple. La fin de semaine, je m'arrête, puis je réfléchis à... souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les spéciaux de la semaine. Je vais prendre mon application, Rebee, ou sinon, il y a un autre qui s'appelle... j'ai oublié. En tout cas, il y a des applications qui existent pour regarder les spéciaux. Puis là, moi, je regarde surtout les protéines sont en spécial ou parce qu'on s'entend que c'est nécessairement c'est ça qui coûte le plus cher de notre épicerie la plupart du temps. Fait que là, je vais me dire, bon, OK, cette semaine, il y a du porc en spécial, il y a du saumon en spécial, c'est ça que je vais manger. Bien là, je m'en vais, je vais aller dans Fixate, je vais aller voir pour trouver des recettes avec ça. Dans le poulet, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a. Pas dans le poulet, dans le porc, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a. Dans le saumon, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a. Puis là, ben, je vais me dire, je vais manger ça, je vais manger ça. Puis là, après ça, ben, je les mets dans mon menu de la semaine. Fait que là, je sais que pour une journée, j'ai le droit à tel contenant. Mais là, je vais rentrer dans ma journée ma recette de sauté de porc avec, du riz basmati. Bon, ça va faire mon dîner. Mais là, je sais que je vais avoir pris, un jaune, un vert, un rouge, puis peut-être un huile avec ça. Bon, mais après ça, je vais me dire, OK. Fait que là, pour déjeuner, je vais manger une toast avec du beurre d'arachide, une demi-banane. Puis là, après ça, je vais tout calculer mes journées comme ça. Puis, ça me permet après ça de m'en aller à l'épicerie, savoir qu'est-ce que je vais acheter. Puis d'arriver à la maison, puis de faire mon meal prep. Et là, je vais pouvoir préparer quelques repas comme ça d'avance que je vais avoir dans mon réfrigérateur. Puis des collations qui sont déjà portionnées. Je vais me portionner toutes mes crudités, je vais me portionner mes fruits d'avance. Déjà, tu sais, comme que j'ai pas besoin après ça de savoir combien ça représente à chaque fois. Tant qu'à être dans le lavage de fruits puis le lavage de légumes, je les mets dans des portions déjà tout de suite. Si on n'a pas le temps nécessairement de se lancer dans des grosses recettes, souvent, moi, là, je vais garder ça vraiment simpliste, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais cuire mon saumon puis mon porc puis mon poulet,
de façon simple avec des herbes, avec de la moutarde de Dijon, avec des trucs comme ça. Puis, ils vont être cuits. Puis après ça, ben, je vais les accompagner de légumes ou de salade, ou je vais faire un sauté avec ça. Fait que, tu sais, ça va être facile. Puis, je vais déjà avoir des choses qui sont prêtes dans mon frigidaire qui vont me permettre d'avoir une solution rapide et santé et approuvée par le plat. Puis, je vais me portionner aussi, comme je disais tantôt. Mettons, pour déjeuner, ce que j'aime faire, c'est les yogourts là, que tu mets déjà dans un pot maçon avec du gruau, avec des fruits dedans. Je vais mettre un petit peu de cannelle. Je vais mettre de l'essence de vanille. Fait que là, ben mon gruau, ben je m'en fais 2-3 comme ça d'avance. Puis, le matin, ben c'est super. Ben, c'est pas un gruau, c'est plutôt un yogourt déjeuner. Il va être prêt d'avance, puis le matin, ben, j'ai juste besoin de le prendre, puis ça va super vite. Fait que, tu sais, quand on est préparé comme ça, c'est vraiment la clé du succès là, pour pouvoir bien suivre le plan d'alimentation. Fait que là, je sais pas s'il y a des questions dans le chat, j'en vois pas, en tout cas. Jusqu'à maintenant, c'est beaucoup d'informations. Est-ce que vous aviez déjà pris connaissance un peu de tout ça? Est-ce que vous avez des questions? Non? Tout le monde va bien suivre son plan cette semaine. Bon, OK. Est-ce qu'il y en a qui ont le Aided Obsession ici? Parce que si vous ne faites pas le Aided Obsession, ben, si vous voulez parler, là, démutez-vous avant, par exemple, parce que je vais tout vous démuter. Attends. OK. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui font le Aided Obsession? Parce que sinon, oui. Moi aussi. Bon, parfait. Je vais entrer dedans. Là, je me suis dit, s'il n'y a personne qui le fait, je ne malgré pas les gens. Je vais partager mon écran encore. Puis. Vous allez voir que c'est pas vraiment plus différent. C'est juste un petit peu plus... Quoi? Un petit peu moins flexible. On va dire ça comme ça. Donc, le plan d'alimentation se trouve dans le programme. Là, comme je vous disais, il y a peut-être certaines personnes qui ne le trouvent pas en français. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je l'ai. Il paraîtrait que ça se peut que ce soit juste... Il y a quelqu'un qui m'a dit que ça serait juste les coachs qui l'auraient en français, mais je trouve ça bizarre parce que... Donc, il y a des filles qui n'étaient pas coachs qui l'avaient. Mais je l'ai mis dans VIP Fit for Me cet après-midi. Donc, on s'en va dans le matériel du programme et même chose que pour le 21 Day Fix, vous avez le calendrier qui est là, vous avez le guide alimentaire qui est là. Donc, si on s'en vient dans langage ici, on clique sur « Autre » et là, vous allez voir les guides en espagnol et en français. Il y a un plan d'alimentation régulier puis un plan d'alimentation vegan. S'il y a des gens qui sont végétaliens ici, vous allez pouvoir prendre le végétalien. Plan d'alimentation. Guide de démarrage. Donc, on commence avec le guide de démarrage, puis après ça, ça va nous amener à, contrairement à 21 Day Fix, où est-ce que tout est dans le même carnet, cahier, guide, avec le Lead Up Session, vous avez un guide de démarrage, puis après ça, vous avez un guide spécifique selon le plan que vous êtes. Donc, on commence par faire notre calcul, qui est le même principe qu'on a fait là, avec le 21 Day Fix. On multiplie par 11 notre poids. Mais là, ici, au lieu d'être 400, c'est 600 le calorie qu'on brûle parce que c'est des entraînements qui sont plus intenses. Donc, on va ajouter 600 et on va soustraire toujours le 750 pour tomber dans un déficit calorique si on veut perdre du poids. Si on est en maintien, on va rester au B. Là, on ne fera pas l'étape C. Ça, c'est pour la phase 1. Le Aided Obsession, il y a 3 phases. On a la phase 1, phase 2, phase 3. Quand on change de phase, on doit refaire notre calcul. Premièrement, ça se peut qu'on ait perdu du poids. Et deuxièmement, le calcul, il est différent. Donc, c'est important de le savoir. Puis, si vous rendez à la phase 2, vous avez atteint le poids que vous voulez, bien là, vous rendez à la phase 2, vous n'allez pas soustraire la dernière partie. Fait que, il va falloir que vous recalculiez au fil du temps. Une fois que vous allez avoir trouvé dans quelle braquette de plan vous êtes, bien, vous allez aller chercher votre
votre plan là, dans le guide du programme, dans le programme matériel sur la plateforme. Fait que là, sinon, ben, le reste, ils vont vous parler un petit peu des équipements que vous avez besoin pour faire les entraînements puis des suppléments. Vous allez trouver de l'information là, à ce sujet-là. Donc, si vous faites le Leadup Session, nécessairement, vous vous êtes procuré le pack avec les équipements. Donc, vous avez vos élastiques, vous avez vos sliders, des poids, vous allez en avoir de besoin. Si vous voulez être plus confortable pour certains exercices, un tapis, c'est recommandé. Vous pouvez toujours prendre une serviette, sinon. Le tapis de Beachbody, en tout cas, moi, je l'adore. Il est vraiment une mousse là, super confortable. Puis, le dimanche, vous avez des étirements qui sont prévus. Donc, il y a Stretch and Release puis Roll and Release qui vont vous demander là, pour Roll and Release le rouleau de mousse pour pouvoir vraiment bien vous étirer puis soulager vos tensions, vos muscles avec ça. Et on parle de Energize, j'en ai parlé tout à l'heure. Recover, j'en ai parlé tout à l'heure. Qui, eux, sont... tu sais, dans 21 Day Fix, c'est optionnel, mais avec Leadup Session, ça fait partie du programme. Donc, si on veut suivre l'alimentation de Leadup Session, il faut consommer le Energize et le Recover après notre entraînement. Et même, on recommande la gamme complète de prendre le Hydrate pendant qu'on s'entraîne pour vraiment aller faire le plein d'électrolytes et le Recharge avant de se coucher le soir pour pouvoir là justement bien récupérer puis s'assurer de ne pas être endolori le lendemain. Donc, si on s'en va, par exemple, voir le plan A maintenant, bien, premièrement, on va aller voir la liste des aliments permis. Elle ressemble beaucoup à celle de 21 Day Fix avec certaines petites limitations. Donc, il y a certaines choses du 21 Day Fix que vous ne pouvez pas manger dans le ADD Obsession. Donc, il faut vraiment que vous preniez la liste de ADD Obsession. Donc, on a tout regroupé ici, là, dans un tableau. Et... Moi, je ne suis pas trop d'accord de la restriction, on dirait, pour moi. Là. De? Est-ce que c'est une question? Non? OK, c'est bon. Puis, on a aussi les aliments à volonté. On a l'eau comme c'était pour le tournoi Netflix aussi. Vous pouvez mettre des choses dans votre eau. Le café, le thé. Puis, les bases de chicologie, là, si vous voulez vous référer de qu'est-ce que comment ça compte, là, le lait, puis ces choses-là. On a une journée de ressourcement. À partir de la phase 2, il y en a, je pense, 4 durant tout le programme. C'est une journée où est-ce que on va avoir le droit de manger des gâteries, un peu plus de jaune dans cette journée-là pour vraiment faire le plein d'énergie pour que ça vient comme en même temps aussi choquer notre corps parce qu'on mange clean depuis, mettons, 6 semaines. Bien là, notre corps a besoin vraiment... là. De se faire un petit peu choquer en lui donnant un petit peu plus de glucides pour pouvoir après ça repartir au maximum là, pour continuer d'avoir des beaux résultats. Fait que pendant cette journée-là, on ne peut pas aller manger du McDo. On peut se prendre des jaunes qui sont dans la liste ici. Donc, par exemple, au lieu de prendre du riz brun, bien, on a le droit de prendre du riz blanc. On peut prendre du pain blanc, on peut prendre des crêpes avec de la farine blanche. Puis il y a aussi des desserts qui sont permis pendant cette journée-là. Fait que tu sais, quelqu'un qui est vraiment une bébite à sucre pourrait prendre toutes ses jaunes comme des desserts pendant cette journée-là. Fait que, ça permet de aussi au niveau mental, à un moment donné, tu sais, quand ça fait 6 semaines que tu manges bien. Ben, tu sais, tu as besoin de te gâter un peu des fois. Ben, c'est ça. Fait qu'on a la possibilité de le faire. Là. Il y a plein de recettes, des trous de beignes, des timbits finalement, des biscuits au chocolat. Il y a des espèces de boules là, au beurre d'arachide qui sont vraiment bonnes. Les brownies au pois chiche, ça a l'air bizarre au pois chiche, là, mais je vous jure, c'est vraiment super bon au chocolat. Sans farine, puis c'est ça, il y a plein de petits desserts qui sont permis. Le chicologie, encore une fois, compte pour un rouge comme une protéine. Donc, si on va voir le plan A, c'est le même principe pour plan A, B, C, là, c'est juste la quantité totale qui va changer pour les aliments dans la journée.
Donc, on voit, comme pour le taux alimentaire fixe, que ça équivaut à, mettons, 4 légumes, 2 fruits, 4 protéines, 2 jaunes, 1 bleu, 1 orange et 3 cuillères. Mais la différence, c'est que dans 21 Day Fix, on peut les manger comme on veut dans notre journée. Fait que je pourrais dire avec 21 Day Fix que pour déjeuner, je mange une banane complète parce qu'une banane, c'est une demi-conne pour un rouge. Puis je pourrais dire que je prends du yogourt avec ça, puis que je prends aussi de l'avocat parce que ça me tente. Mais avec Elite Obsession, les compositions de repas doivent être précises. Donc, on va vraiment maximiser les macronutriments pour qu'à chaque repas, on fournisse à notre corps la combinaison parfaite de macronutriments pour avoir le maximum d'énergie, puis que ce soit qu'on soit plus performant dans nos entraînements et qu'on maximise nos résultats. Donc, avant notre entraînement, on a un repas spécifique à prendre. Après notre entraînement, on a un repas spécifique à prendre. Le reste de la journée, on peut un peu plus jouer. Fait que si on y va avec une journée typique, là, le bloc d'entraînement, que vous vous entraînez le matin, que vous entraînez le midi, le soir, bien, tout ce que vous faites, c'est que le bloc d'entraînement, vous le déplacez dans votre journée. On va faire l'exemple de quelqu'un qui se lève tôt le matin. On se lève tôt le matin, 60 à 90 minutes avant notre entraînement, on doit manger. Là, je le sais, j'étais la première, je me lève super de bonne heure, puis toute ma vie, j'ai jamais mangé avant de m'entraîner. Fait que quand on m'a présenté ce programme-là, j'ai fait comme, manger avant de m'entraîner, oublie ça, je vais vomir, c'est impossible. Puis là, ben, je me suis informée un peu plus sur le programme, puis tu sais, j'ai vu les résultats des filles du groupe test, puis là, ben, je me suis dit, bon, OK, je vais l'essayer. Puis honnêtement, là, je me demande comment ça, j'ai jamais mangé avant de m'entraîner parce que, un, j'ai pas vomi, ça a super bien fonctionné. Puis deux, j'ai tellement de l'énergie pour faire mon entraînement, c'est vraiment différent, là. Puis maintenant, je me lève, puis j'ai hâte de manger. Avant ça, je pouvais passer quasiment 6 heures avant de manger avant de manger ma première chose dans ma journée. Fait que je suis vraiment... Puis ça l'évite aussi que dans ma journée, j'ai comment on dit ça en français? Confusion, là, quand t'es... tu sais, des fois, à un moment donné, tu viens comme... Ben, des pertes d'énergie, finalement, là. Du fait que, tu sais, je mange tôt le matin, puis qu'après ça, je continue de manger à toutes les 2-3 heures, ben ça aide vraiment à ce que j'ai une bonne énergie tout au long de la journée, puis que je sois plus focus, là, pour mes activités. Donc, on dit 60 à 90 minutes. Ça dépend de votre organisme, là. Vous allez pouvoir faire des tests. Moi, là, je me lève, je prends mon shake, je m'en vais m'entraîner tout de suite après. Puis c'est correct. J'attends pas 60 à 90 minutes, là. Je voudrais que je me lève bien trop de bonne heure sinon. Mais vous allez pouvoir le voir, vous allez faire vos tests, puis vous allez voir comment ça passe. Il y en a qui sont pas capables du tout il faut qu'ils se laissent un temps, là, avant de pouvoir bouger. Mais vous allez pouvoir faire vos expériences puis le voir. Le repas avant entraînement, vous pouvez le switcher par le repas option 1. Tu sais, comme ici, là, c'est un rouge, un vert, un jaune, une... Concrètement, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être une omelette avec des épinards, puis une toast au beurre de peanut. OK? Concrètement, ça pourrait être ça. Moi, personnellement, alors que je me lève, je trouve ça lourd, manger ça avant de m'entraîner. Fait que ce que je fais, c'est que je prends l'option 1. Fait que je prends un Shakeology avec un fruit dedans, puis une cuillère. Fait que comme ça, ça fait... pour moi, c'est plus léger. Ça pourrait être un yogourt avec des fruits puis une cuillère, tu sais. Je trouve que ça c'est moins lourd que de manger toute une grosse chose comme ça. Dépendamment de l'heure qu'on s'entraîne, ça peut varier, là. Fait que le bloc entraînement, on le déplace dans la journée. Après, avant de s'entraîner 15 à 30 minutes, on va prendre le Energize pour nous donner de l'énergie. Après ça, on va s'entraîner, on peut prendre le Hydrate si on le consomme. Suite à notre entraînement, 30 minutes suivant, on va prendre le Recover, la boisson de récupération. On va ajouter un fruit à notre Recover parce qu'on a besoin de refaire le plein vraiment au niveau des glucides.
du sucre, finalement, là, qu'on va retrouver dans le fruit. Suite à ça, une heure après notre entraînement, une heure à deux après notre entraînement, on va devoir remanger un repas complet. Donc, tu sais, concrètement, là, mettons que je me lève à 5 heures du matin, je mange tout de suite, je prends mon Energize, je m'entraîne à 5h30, ça dure une heure, donc 6h30, j'ai terminé. 7h, je prends mon Recover, ça pourrait être à 8h30, 9h que je mangerais mon déjeuner ici, là, qui serait composé, mettons, comme je disais tantôt, d'une omelette avec... épinards, puis une toast au beurre d'épinards. Là, vu que j'ai pas pris le avant ici, ben il devient disponible pour le reste de ma journée. Fait que, tu sais, le repas 1, il est pris. Les deux autres, c'est ce que je vais avoir le droit de manger pour le reste de ma journée, plus ce que j'ai pas pris en haut. Puis là, je peux me prendre le 3 avant le 2, puis le repas qui était censé être avant mon entraînement, après, tu sais, je peux jouer après. Mais ce qui est important, c'est de ne pas mélanger les couleurs. Donc, pour le repas 2, c'est un vert puis un bleu. Je ne peux pas, à la place, prendre un vert puis un mauve. Là. C'est vraiment un vert puis un bleu qu'il faut que je prenne. Puis, c'est important, après, de manger à toutes les 2-3 heures. Donc, tu sais, supposons que là, j'ai mangé, il était 9 heures. Après ça, idéalement, je vais manger 2 à 3 heures plus tard. Donc, mettons... à midi, ça ferait 3 heures. Après ça, ben, je vais remanger, mettons, dans l'après-midi vers 2h30. Je vais souper vers 5h30, 6h. Puis, ben, ma journée se terminerait là. Ben, dépendamment, là, c'est... En tout cas, peut-être que là, je suis allée vite, peut-être que je n'ai sauté, mais en tout cas, vous comprenez le principe que vous mangez à toutes les 2-3 heures, puis que vous allez faire votre horaire en considération de ça. Le recharge avant de se coucher, 30 minutes avant, lui, on ne le compte pas, là, on le compte pas dans le comptant. Mettons qu'on s'entraîne en soirée. Bien, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer notre journée avec le déjeuner comme on va vouloir. Fait que, tu sais, je pourrais prendre le repas 1 pour déjeuner. Après ça, pour dîner, je peux prendre mon repas numéro 3. En après-midi, en collation, prendre mon repas numéro 2. J'arrive à la maison, je m'entraîne vers 7 heures. Donc, à 5 heures, je vais souper. Je vais manger ce repas-là ici, là, le mettons que je mangerais pour souper du poulet avec des légumes, puis du riz, puis j'aurais fait cuire mon poulet sauté dans l'huile de coco. Ben, après ça, je vais prendre mon Energize, je vais aller m'entraîner. Après mon workout, ben là, il me resterait ce repas-là à prendre. Là, la question qui revient souvent, c'est OK, je finis de m'entraîner, il est 9 heures, est-ce que je vais vraiment manger? Oui, vous allez vraiment manger. Vous en avez de besoin. C'est des entraînements qui sont super intenses. Même si on s'en va se coucher dans l'heure qui suit, c'est pas grave, puis vous n'allez pas, je sais que c'est on a tendance à penser que notre corps, tu sais, il n'y aura pas le temps de le digérer, puis qu'on va engraisser avec toutes les mentalités là, qui sont comme ça. Mais non, le plan est vraiment fait en sorte que vous devez manger après votre entraînement pour refaire le plein. Puis c'est ce qui va vous permettre que vos muscles soient vraiment bien nourris et qui vont vous permettre de brûler des graisses durant la nuit. Votre système va travailler durant la nuit. Fait que c'est super important de manger après son entraînement. C'est sûr que là, on va peut-être aller choisir avant de se coucher des choses qui vont être moins dures à digérer. T'sais, au lieu d'aller se prendre un gros steak avec une grosse patate, puis de prendre des brocolis qui sont quand même durs à digérer, mais peut-être qu'on va choisir justement de prendre quelque chose comme des œufs, que c'est plus facile à digérer, ou du poisson blanc qui est plus facile à digérer. Puis le jaune, ben, au lieu de prendre une patate, on va peut-être prendre du quinoa, tu sais. On va aller faire des choix qui vont nous permettre justement que ce ne soit pas trop lourd à porter non plus là, avant de faire dodo. Donc, grosso modo, ça ressemble à ça l'alimentation de Elida Fishen. On a des heures de repas là, de combinaison si vous avez besoin d'idées ici. C'est vrai. Le ressourcement,
Ben, c'est la journée là, que je vous disais dans votre calendrier de Lead Obsession. Après 6 semaines, vous avez droit à une journée de ressourcement. Puis après ça, vous en avez à toutes les 2 semaines jusqu'à la fin du programme. Donc, durant cette journée-là, les nombres de contenants vont changer. Donc, tu sais, tantôt, on avait 4 verts, 2 mauves. Mais là, on a 4 mauves au lieu de 2 dans cette journée-là. Donc, on va manger plus de fruits. Puis, on a droit à 4 jaunes. Mais les jaunes, il ne faut pas que ce soit les jaunes de la liste des jaunes. Il faut que ce soit la liste des jaunes avec un S dessus. Donc, tu sais, si on retourne à notre liste d'aliments, ça va être vraiment ceux qui sont ici, avec un petit jaune, avec un petit S, qu'on va prendre pendant cette journée-là, ou les desserts qui sont dans le bas, là, ici. Fait que vos jaunes, ça va tout être ça durant la journée. Puis le reste, bien, vous allez faire votre journée comme d'habitude. Et enfin, à la dernière semaine, c'est la semaine d'intensité maximum. Donc, si vous voulez, c'est optionnel. Vous pouvez suivre un plan où est-ce que vous allez restreindre encore plus au niveau des glucides pour pouvoir, ce qu'on dit, shredder, pour pouvoir définir vos muscles. Donc, on va couper dans les glucides au fond. Donc, on va manger principalement, on va avoir plus de protéines, plus de légumes à manger, puis moins de glucides. Fait que ça, c'est optionnel, puis c'est la dernière semaine seulement. Fait que grosso modo, ça ressemble pas mal à ça pour Aided Up Session. Je vois quelque chose en chat. Je dois quitter. Bon, okay, parfait. Donc, est-ce que vous avez des questions pour ce plan-là? Je sais que c'est compliqué, j'imagine que vous allez en avoir. Là, si vous en avez pas, là, je vous trouve trop hot. Non, vous avez tout assimilé ça? Bon. Hey, on va avoir du monde en super forme dans 80 jours. Bon, mais super. Sinon, par rapport à tout ce qui est Beachbody on Demand, les équipements, le calendrier, n'importe quoi, là. Est-ce que tout est clair pour le défi? Est-ce que vous avez des questions? Ah, ben moi, j'en ai une. Vas-y. Attends, je crois que j'ai mis. Oh, salut! moi, je mets ça pour le monde. Non, mais on ne m'aime pas de toute façon. Tu sais, la collation du soir, là. Ben, en fait, tu sais, comme dans ton menu, quand tu prends le 21 Day Fix, là, t'as comme, mettons, une collation le soir, mais moi, ça arrive souvent que ça coordonne pas dans mon menu, comme je l'ai comme pas besoin. Mais je suis comme obligée de la prendre ou il faut absolument que. Ben, c'est toi qui. Si t'en veux pas de collation le soir, tu vas prendre ces aliments-là, tu vas les mettre ailleurs dans ta journée, là. Tu sais, avec le 21 Day Fix, t'as vraiment une flexibilité de dire. Comment tu veux composer ta journée? Okay. C'est sûr que l'idéal, c'est quand même de manger aux 2-3 heures, que tu sois avec mon épouse, que tu sois avec Aided Obsession. Dans la vie, on recommande de manger des plus petites portions plus souvent, qui va faire que ton métabolisme va continuellement être en train de travailler dans la journée, puis qu'on ne va pas le surcharger avec une grosse dose d'aliments. Fait que ça va être à toi là, de le voir, c'est optionnel. Oui. Parfait. Moi, c'était ça ma question. C'est bon. Il y avait quelqu'un d'autre, je pense qu'il y avait une question. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Dans le fond, moi, je suis abonnée au gym aussi, puis à l'école où je travaille, je fais de l'entraînement avec les élèves de course pour faire le grand défi Pierre Lavoie. Okay. Fait que je me demandais, tu sais, je veux faire les entraînements, mais mettons que je vais au gym pendant 1 heure... dans le fond, je pense pas que je devrais faire l'entraînement de la journée, mettons? Ou... Ben, ça, c'est ta décision qui t'appartient. Tu sais, là, vous allez peut-être me trouver tough love, mais tu sais, si tu veux dire que tu as fait le 21 Day Fix ou si tu veux dire que tu as fait le Aided Obsession, ben, il faut que tu suives le calendrier puis il faut que tu suives le plan d'alimentation. Tu pourras pas arriver à la fin puis dire « Ah, mais là, il me semble que j'ai pas les résultats que les filles ont sur les photos que j'ai vues, puis je m'attendais d'avoir plus de changements que ça. » Si tu fais pas les entraînements qui sont prévus au calendrier, si tu suis pas le plan d'alimentation, tu pourras pas dire que tu as fait ce programme-là. Tu vas avoir fait ton programme à toi, que tu vas avoir changé, que tu vas... Puis, tu sais, tu pourras pas...
savoir ce que ce serait d'avoir suivi le plan complet. Oui, ça dépend ce que tu veux comme résultat. Si pour toi, c'est de te maintenir en forme, que tu ne veux pas perdre 10 livres, puis tu ne veux pas c'est une question d'objectif. Si tu le fais pour la santé, pour être en forme, puis que ce n'est pas important pour toi au bout de la ligne d'avoir beaucoup de changements, vas-y comme tu veux, tu sais. Mais quelqu'un qui me dit, ben, tu sais, c'est parce que moi, je veux pas qu'on arrive à la fin puis qu'on me dise ouais, ben là, je m'attendais pas à ça, là, il me semble que j'ai pas de résultat. Ben, tu sais, si tu en veux, faut que tu suives la formule. OK. J'espère que j'ai pas été trop raide. Non, non, mais il y a quelques journées où je vais rusher, là, mais je vais essayer. Ben, tu sais, c'est sûr que. Ça dépend de ta réalité à toi aussi. Puis si c'est trop difficile, ben tu vas être consciente au moins, avec ce que j'ai à te dire, que ça se peut que les résultats ne soient pas les mêmes. C'est juste ça. C'est bon. Parce que les entraînements sont faits pour aller travailler des régions du corps spécifiques selon chaque journée. Fait que, tu sais, c'est pas pour rien que le booty est à une telle journée dans la semaine, puis que le haut du corps est à une telle journée dans la semaine, puis que le cardio est à une telle journée. Puis c'est pas pour rien non plus que après un refeed day, la journée de ressourcement, qu'on fait les jambes, parce que les jambes vont solliciter beaucoup plus de dépenses caloriques, puis qu'on vient de faire un refeed day. Tout est calculé. Fait que, tu sais, si on vient changer la formule, ben c'est sûr qu'à quelque part, ça fait une différence, là. C'est bon. C'est bon. J'imagine que c'est un peu le même principe comme pour le cheat day. Pour le? Pour le cheat day. Attends, je vais plugger mon ordi. Tu sais, quand souvent tu fais un plan, ils disent que tu peux avoir une journée cheat et que tu as le droit de pas toute la journée. C'est la journée que je parlais tantôt de ressourcement. Là. On l'a à partir de la 6e semaine. À toutes les 2 semaines, on en a une. Oui, mais moi, j'ai pas d'idée. Comment? Oups, je pense qu'elle a perdu sa batterie d'ordi. Oui, je pense qu'elle a fait le 21 des fixes, puis elle disait qu'elle n'avait pas l'ADD. Bien, dans le fond, c'est un programme de 21 jours, le 21 des fixes. Je vais parler comme si elle était là, puis elle va pouvoir voir l'enregistrement. Là. Le programme de 21 des fixes, c'est un programme de 21 jours. C'est un 21 jours à donner, un blitz à donner pour avoir des beaux changements. Puis après ça, c'est on peut faire l'alimentation qu'on veut, puis faire le mode de vie qu'on veut. Je pense que ça vaut vraiment la peine de s'y donner pendant 21 jours. On a quand même droit à 3 gâteries dans la semaine. Pour vrai, là, tu sais, ça se fait super bien. Il y a possibilité de concevoir des menus qui vont faire en sorte qu'on n'aura pas l'impression de se priver. Puis que vous allez vous apercevoir là, quand vous allez commencer à manger avec ce plan-là que vous n'allez pas avoir faim. Si vous allez manger beaucoup plus que vous pensez. Puis que les portions, ça a l'air d'être petit, mais c'est vraiment... On mange à notre faim pour vrai. Puis, tu sais, on a le droit à du chocolat noir, on a le droit à du vin. Non, c'est sûr qu'il n'y a pas un cheat, on n'ira pas manger de la poutine, mais on peut s'en faire avec des patates maison, puis avec du fromage, puis une sauce maison si on veut. T'sais. Vraiment, c'est juste d'user de créativité des fois. Puis, tu sais, on peut s'en faire des pizzas, c'est juste qu'on va la faire différemment, qui va faire qu'elle va être approuvée. Puis, il y a plein, tu sais, on peut faire de la crème glacée qui est approuvée, on peut faire, il y a tellement, tellement, tellement de possibilités en sorte qu'on va laisser aller notre créativité puis qu'on va pas se sentir dans un plan strict puis qu'on va sentir que c'est ça, que c'est flexible. Mais encore là, je vous rappelle, tout est une question d'objectif. C'est sûr que moi, je suis là pour vous dire c'est quoi le plan? C'est ça qui a été testé, c'est ça qui a été prouvé pour donner le meilleur résultat. C'est d'avoir des changements, bien, souvent en faisant confiance à la formule. Mais ça reste que, comme on dit, c'est à vous les oreilles. Est-ce qu'il y avait d'autres questions?
Sinon, ben, tu sais, comme je vous disais, le groupe est là pour ça. Vous posez vos questions via l'application ou sinon dans le groupe VIP. Ah, t'es de retour, Corinne? C'est Corinne qui était partie, qui s'est lâchée tantôt, hein? Bon, excuse, ça l'a buggé. Ouais. Elle a lâché. J'ai répondu, tu pourrais écouter l'enregistrement ou sinon j'irai te parler, là. Dans le fond, j'ai terminé, j'avais répondu à la question. Non, c'est correct. Je vais la réécouter, c'est pas grave. Fait que je disais que c'est ça, vous pouvez poser vos questions soit dans le groupe VIP, dans l'application sur My Challenge Tracker, là, tout au long du défi. Fait que je vous souhaite de passer une belle expérience. Dans le fond, on va débuter le jour 1 à partir de lundi. Vous allez pouvoir, si vous n'avez pas reçu vos choses, là, il y en a des fois qui n'auront pas eu leur chéco, qui n'auront pas eu leur slider ou quoi que ce soit. T'sais, même si vous commencez deux jours plus tard, peut-être que si vous faites le Lead Up Session pour les deux premières journées, vous pouvez faire le 21 Day Fix en attendant puis en rentrer dans le Lead Up Session quand vous allez recevoir vos élastiques puis vos sliders. Si c'est pas dramatique quand même si votre jour 1 n'est pas nécessairement en même temps que les autres. Puis si vous n'avez pas votre Shakeology à temps, ben t'sais, vous le remplacez par autre chose. Vous pouvez prendre vous faire un smoothie maison avec les laits qui sont permis, avec un peu de yogourt dedans, avec des fruits dedans, avec t'sais, vous allez pouvoir là, quand même suivre le plan d'alimentation à votre façon. Je vais juste prendre la parole un petit peu, Mélissa, parce que moi, mes participantes ne sont pas là, sont pas loguées, mais je vais leur laisser un petit message. Je sais qu'il y avait eu des questions, je pense à Valérie qui parlait du plan d'alimentation avec le ATD Obsession, qui a posé des questions. Donc, si Valérie, Mélissa avait quand même bien résumé, elle a bien répondu, je pense, à ta question, mais si tu as besoin d'informations supplémentaires, j'aime que tu poses des questions. On est tous là pour t'entraider, se soutenir. C'est un peu ça aussi, le groupe, c'est de vivre l'expérience ensemble. Donc, de ne pas se gêner. On va poster des questions, on va poster des conseils, mais aussi nos entraînements. Ça va être super motivant, ça va être vraiment cool. Donc, toi, en plus, tu as vécu l'expérience, fait que tu le sais. Oui! Puis tu as eu des beaux résultats avec toi, les mondes des fixes, hein, que tu avais fait. Je te dirais, j'ai commencé avec le T25, T25, c'est ça. Je commence à être tard aussi pour moi. Puis, vraiment, le plus gros de mes résultats, c'est avec les ATD Obsession. J'avais commencé avec A Little Obsessed, là, au moins deux semaines et demie, là. C'est vraiment, vraiment efficace. Ah oui, vraiment, moi aussi, j'ai jamais eu des résultats comme ça de toute ma vie. Okay. J'ai jamais eu non plus, je me suis jamais sentie aussi bien dans le sens que j'ai de l'énergie parce que je mange bien tout le temps dans toute ma journée. Puis j'ai jamais mangé de même de ma vie. Là. Je mange, ça n'a pas de bon sens. On dirait que je fais juste ça de mes journées. Puis c'est là que j'ai le plus de résultats. Fait que, tu sais, vraiment, il faut vraiment faire confiance au processus. Oui, exactement. Puis qu'est-ce que Mélissa disait aussi, manger le soir. Moi, je fais mon entraînement le soir. Il y a des fois, je termine mon entraînement à 9h30 le soir et oui, je vais manger, c'est super important. Allez pas vous coucher le ventre vide. Vous allez le voir, je l'ai essayé et le lendemain matin, je filais pas bien, j'étais en manque d'énergie parce que cet entraînement-là, il est très exigeant. Donc, suivez le plan alimentaire du mieux que vous pouvez, vous allez voir les résultats. On les voit même après 28 jours après la phase 1, là, on les voit les résultats. Là, parce qu'avec My Challenge Tracker, on est capable de rentrer nos menstruations avant et après, et l'application fait le calcul pour nous. Donc, on voit les résultats, ça vaut vraiment la peine. Ah oui, vraiment, parce que après la phase 1, des fois, souvent, il y a des filles qui vont les partager, leurs transfo, puis on voit que c'est assez. Faites confiance au processus. Juste pour vous dire un peu mon expérience, moi, quand j'ai commencé, il y a peut-être quelques mois, je portais une taille 8. Et vivre l'expérience de Beachbody on Demand, maintenant je porte une taille 2. Donc, si ça peut vous donner un aperçu. Là. Hey, wow, hein? Sur la balance, là, j'ai 8 livres de différence. Non, c'est ça. Fait que qu'est-ce que Mélissa disait tout à l'heure, là, c'est vrai. Donc, ne pas se fier à la balance parce que la balance, c'est sans balance. Oui, c'est ça. Exactement. On le répète souvent parce que des fois, on l'oublie même. Là.
même nous, même en tant que coach, des fois, on peut, faut se le rappeler. Exactement. Donc, je vous souhaite un bon défi. On va passer une belle semaine. Ça va être le fun. Oui, ben merci de ton partage, Mélanie. Fait que bonne soirée, les filles. Merci d'avoir été présentes. Fait qu'on commence ça lundi. Bye. Bye. Bye.